C'est bon, j'étais en train de regarder, je pensais qu'il y avait un souci. Il y a un autre qui est revenu là-haut avec un lance-grenade. Une balle, mais non, ça c'est pas possible. Il est là, l'enculé. Je suis tombé dessus. Il est mort. Je sais pas. Pas compris. Oh putain, du coup moi je suis lobotomisé. Et je me fais allumer du coup. Oh mais le gars a la grenade quoi. C'est reparti. Ah non, la grenade là-haut, je le bouge plus. Un gars. Allez. Banque, voilà. Attends, d'accord, un petit peu. J'ai peut-être trouvé un truc pour faire chier le monde. Ils ont tendance à monter par ici. Je peux peut-être. Quoique, là, t'as tendance à monter par là. Si encore là-haut. Non, il est plus là-haut. Tu lui mets un fulpon de la mort? Que j'ai fait, à voir si ça marche maintenant. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'ai le temps que j'ai monté, je suis monté d'un niveau. J'ai su passer 28. On a inversé notre score. Alors c'était à 1008 et c'était à 1000 et là on a inversé. C'était pas dégueulasse non plus. C'est dommage qu'il y ait un peu trop de grenades à mon goût. Mais sinon ça passait bien. Du coup, 7900 d'XP, c'est pas mal. Tactique plus level 1, donc tactique plus level 1, c'est l'équipement supplémentaire. Boire un petit coup. Là j'ai une envie de pisser mon gars. Atomique. Je crois que je vais y aller rapidement. Avant que ça se relance. Ouais, j'arrive. Ah, sinon je vais me pisser dessus. Et c'est dégueulasse. ça va être compliqué. Ah, putain, c'est pas en si c'est. Ouais, c'est dommage. Oh, quoique. Il y avait Rampart. C'était possible, quoi. Ça dépend où je me place. Alors. Tiens, c'est la partie qu'on a trop tout de suite. Dans quelques temps, tu auras le temps de revenir. D'accord, les lance-roquettes, c'est un frame de marité. Le gâteau, ah oui. Je comprends pas l'intérêt de prendre un pseudo qui est déjà pris et de changer son orthographe. J'ai toujours eu du mal avec ça. Oui, Shinada, c'est totalement avant. Ça existe pas. Enfin, au moment où. Si je l'ai inventé, ça existe pas. Non, j'en arrive. Avec encore, c'est Shiminada. Tu sais pas, on tapait Shiminada sur internet, on trouvait mon profil sur tous les jeux. Mais. Maintenant, on a vu. Il existe dans un monde. Ce qui est bien, c'est qu'en plus je peux vous le dire, vous voyez pas mon écran. Ça, hop. Désolé les amis, me revoici, me revoilà, tel le dragon, le phénix en fait. Déçu toi, tu es déçu là. Hop, un qui s'envole. Allez, hop. Tu disais, ils le voyaient pas de quoi? Que ce que tu fais? Tu peux dire des conneries? Ouais, ce que je disais, je mets ça là, ça, ils le voyaient pas, mais après j'ai plus de méthode. On va voir si c'est beau par là. Oh le pipi du siècle, moi je me sens plus détendu. Je sais pas pour vous mais moi je suis plus détendu. Là je me sens bien. Je me sens revivre. C'est une liberté libérante. Il bouge pas lui.
Je sauve un pote et j'en... enfin je tue un mec et j'enlève le fulpon du jeu. En fait je vais rester là, je suis super bien planqué. Ah, on va poser un petit... Je tombe juste là. Ouvrir, mais... Ça fait deux fois que je le pose mal quand même le truc. Je vais le mettre là, dans l'arbre. Je me fais sultonner la puce, elle vient me chercher. Derrière nous. Ah ouais, vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il te tirait pas dessus? C'est normal s'il me tirait pas dessus. Non, en fait, il a donné ma position à plein d'autres gens. Comme ça, et je suis visible pendant un certain temps. Oh là, c'est dommage. Recharger comme un con à ce moment-là, c'est quand même dommage. Oh, trop bon! Oh, trop bon! Par contre, elle est où? Elle est morte. Ils l'ont tué, je sais pas si ils l'ont vu. Bon, c'est pas grave, on va reprendre une position. Oh la merde. Comme là, par exemple, le gars, je suis à côté de lui. Il s'est dit tiens, je vais lui mettre une grenade dans la bouche. C'est quand même fort quoi. C'est Nagato non? Je crois ouais. Ouais il fait ça tout le monde. Ah bah oui, au corps à corps tout de suite c'est autre chose hein. Pareil. Donc ça c'est dommage, c'est les gens qui savent jouer qu'avec. Oh merde, Fulton, s'il vous plaît. Merci. Il y a un sniper qui a essayé de m'avoir. Ça c'est le côté un peu dommage. C'est vraiment que les gens qui jouent à 11 grenades tout le temps comme ça. C'est vrai que ça c'est un peu épuisant parce que ça gâche complètement le jeu. Le jeu c'est pas ça. Alors que tu de temps en temps tu l'utilises, le gars il est loin, alors tu mets une balle de roquette ou quelque chose dans la gueule, mais pas tout le temps. Lui il est au corps à corps, on est devant lui, mais une roquette, c'est complètement débile. Pas comme ça qu'on joue. Dans ce cas-là, change le jeu, retourne sur Battlefield ou Call of Duty. Voilà. Ouais. Là on va me dire que je suis un rageux, mais oui, ça m'énerve. Pourrir un jeu comme ça parce que tu sais pas jouer, ça casse un peu les couilles quand même. Et c'est pour ça que l'ancien encore, c'est pas encore trop comme ça, mais toi tu con, je vais recharger alors que je reste depuis buter l'ennemi. Vous voyez gars, là vous l'avez vu, bah ça il avait aussi dans l'ancien, c'était pareil. Hein. Sauf que l'ancien c'est encore plus... pas le braille explosif mais il y avait encore plus de cheaté hein, quand en tant que cheaté. T'avais mailing, tu faisais bombe atomique sur tout le terrain quoi, donc c'était à peu près pareil. Regardez, je suis en face de lui, là il est perdu parce qu'il a plus de... lance-roquette, je pense. C'est vrai que c'est dommage hein. Ne pas savoir jouer sans lance-roquette c'est quand même triste. C'est vrai que ça... on va dire que je suis un rageux mais ouais, ça me gave. Le gars, corps à corps dans un couloir, on se retient. C'est quand même triste, si tu sais pas jouer, arrête de jouer, change de jeu. Bon c'est cool, hein, il prend de l'XP plus rapidement que les autres, ça c'est clair, hein, il fait tuer des gens. Donc forcément il prend de l'XP, mais bon, c'est pas une XP méritoire. J'ai envie de dire, il a pas posé ses types et HPPR pour avancer dans le jeu. Comme là, j'ai posé contre ça. Rachid, non, je quitterai pas ce jeu parce que j'aime bien, mais je suis pas au point de faire un Rachid, mais c'est vrai que ça me gave les gens qui jouent comme ça. Regardez, c'est toujours le même, hein, toujours le même. Il est content, il jette ses roquettes dans tous les sens, et puis il espère toucher quelqu'un à chaque fois. Mais bon, forcément, tu touches quelqu'un, c'est un rayon d'action. Et connaissant, me doutant du gars, il a sans doute mis le matos avec pour pouvoir démolir, faire des plus grosses explosions, donc forcément il touche encore plus facilement les gens autour. Parce qu'en fait vous améliorez au fur et à mesure, vous gagnez des compétences. Donc par exemple vous faites un peu plus de dégâts ou vous êtes plus précis ou autre chose. Et donc ça marche aussi avec les armes de destruction massive. Ah, quelqu'un qui va nous prendre un revers. Oui, ils ne peuvent pas s'empêcher de tirer au long des grenades dans tous les sens. C'est quand même dommage. Ouais. Ah, dommage. J'ai redécalé sur la droite. Je pensais qu'elle allait faire un petit décalage et finalement non.
putain, elle va me pulsonner, elle va prendre 3 de la plus. On va rien prendre du tout, la France. Donc là, la fumée, c'est un. C'est tout, c'est comme d'hab, hein, c'est un coup de langue de grenade, mais c'est une grenade soporifique pour ce mode. Notre armée va se faire dégonger, je vais mettre là un peu protégé. Calme-toi, t'es. Calme-toi, s'il te plaît. On est concentré. Je pensais bien caché. Et... il va me jeter une grenade, je suppose. Non. C'est tout, non. Ah, lui, par contre, lui, il va en jeter. Il faut que je me casse. Elle me saoule. Elle est toujours derrière moi à me pultonner. Et... j'ai réussi à me barrer parce que je me disais qu'il y avait une grenade, c'est toujours le même. Donc là, je pourrais sauver mon collègue, mais je vais attendre qu'ils vont sans doute essayer de le pultonner. Ça, si tu veux, tu prends des risques quand même. Ça, on va essayer. Moi, j'aurais plus attendu les victimes, pas les assaillants. Genre, j'ai fait une assistance, sérieusement. C'est moi qui l'ai eu, je crois. J'ai tiré sur un gars qui était devant vous, j'ai pas cherché. T'es arrêté, Christopher. Il est déjà 17h. Ouais, il faut que j'ai 17h. Machine sur lequel il est, ça aussi je trouve que c'est une machine de cheater, ou enfin de cheater, de mauvais joueur. Moi généralement dès que je fais une partie privée, enfin une partie privée, une partie créer ma partie moi-même, ça c'est le genre de machine que je retire. Donc sous l'eau, tant que t'es devant pour réussir à la faire péter ou alors réussir à se mettre derrière lui. Mais généralement dans un couloir comme ça tu veux pas te faufiler derrière lui, donc il a l'avantage tout le temps avec la machine jusqu'à temps qu'on arrive à la détruire. Du coup c'est le genre de machine que je mets pas quand je fais des parties, je veux créer mes propres parties. Je mets pas les héros, je mets pas les machines, histoire de vraiment faire des vrais jeux. Jouer vraiment. Donc une petite grenade de temps en temps je veux bien, mais là c'est que ça. Et il vit avec ses grenades dans la main. Et on est à un point qu'il cherche même pas à te tirer dessus. En face de lui, il jette une grenade. Ils vont tous arriver à droite, c'est un massacre. Plus gros carnage derrière que ça. Toi. Derrière moi. Ah putain, bâtard. Excellent. Oh, oh le talent du gars quoi. Le gars, vous voyez, j'ai un soutien de malade mental. C'est mon support quoi, tout simplement. Bah comme dans tous les jours. C'est mon petit support tactique. Là-haut. Je peux pas tirer à travers là où ils sont. De toute façon ils sont encore vraiment derrière, mais moi je peux pas les avoir. Je peux pas les avoir, je tire trop au même endroit. Là par contre, oh, y'en a une. Y'en a une qui est venue me chercher parce qu'elle voyait qu'elle était passée. Elle va me mettre un pluton. Je vais perdre ses tickets là. Mon père va bientôt arriver et je pourrais pas jouer. Ah. Merde. Il y en a d'autres ou pas? Il y en a d'autres ou pas? Il y a pas l'air. C'est la merde! C'est la merde! Alors si c'est une perspective, il y a cette merde, il faudrait que je retourne mon... C'est par là, je crois. Pas d'intervalle. Apparemment on a repris la zone là-bas plus ou moins. S'avancer, on va même s'avancer dur, on avance dur, on verra bien ce que ça donne.